ったり。
cette ligne de basse de port quand même. Ouais. Allez yo les gens, bonjour, bonsoir, comment on va? Bien ou bien? Merci. Alors, sans déconner. Yo Lord, Yo Nox, Yo Pacaille, les gens qui arrivent évidemment, bonjour, bonsoir. Et bienvenue du coup sur cette troisième partie d'Exhumed, Exhumed, Power Slave, Who the fuck care? 163ème jeu, pardon, de ce marathon complètement incroyable. Je sais pas si ça peut être complètement incroyable, ça va. J'en sais rien, je cherche des... Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors attention, est-ce que je vous montre un petit truc vite fait? Ça risque de faire mal aux oreilles parce que j'ai pas encore fini, mais une transition. Vous êtes pas prêts. Attendez, faut juste que je la remette. Je bosse sur une transition pour. Et hop! Et là, on revient évidemment sur le jeu. Est-ce que c'est pas la transition d'un... Les jeudis de l'angoisse, le retour peut-être, on ne sait pas. Suspense. Mais bon, en tout cas, j'ai, voilà, on l'a. On a l'écran de transition et tout qui fonctionne. Ah, je peux le remettre de suite. Tu vois qu'est-ce qui se passe? Hop. Oh mon dieu. C'est magique. Voilà, bref, ça fait beaucoup de transitions d'un coup, là ça va pas du tout. Donc, timer, et on continue ce jeu incroyable, qui a quand même réussi à me rendre ouf, quoi. Mais c'est ce qu'il faut, calmons-nous. Reliquaire, j'en ai 4, il me manque deux reliques, hein, évidemment. Alors je sais pas du tout où je dois aller, en sachant que je pense que ce que j'ai débloqué, en fait, ce n'est absolument pas là où je dois aller. C'est-à-dire le canon du chaos, j'ai l'impression que c'est plus la fin du jeu, ça. En vrai, il aurait peut-être fallu que j'aille... peut-être que là, si je passe par le cimetière de Karnak, ça peut ensuite m'amener vers la flotte. Parce que là, ça m'amène à gauche, c'est le volcan, et moi, je suis plutôt parti pour aller vers le... Voilà, là, ça va peut-être m'amener vers la mer. Apparemment, ce serait plutôt vers la mer. Comme Antoine. Ouais. Attention à la mer. Tu chercheras qui c'est. Pas aussi c'est rétro. Ça, c'est terriblement rétro, ça, Antoine. Attention. Gaffe à la mer, quoi. Laissez pas les poissons bouffer tout le plancton. Ouais. Gaffe à la daronne. Quelle daronne? The fuck are you talking about, young boy? Je trouve un moyen, quoi. Ah, ça parle de mer. La mer nourricière, tout ça. Ok, très bien. Je vais m'occuper des vannes, Lord Wolf. Vraiment, c'est important. Chacun son boulot. Hein. Ah, je suis un pourri quelque part, c'est ce que je te dis. Bon week-end ou quoi? Moi, j'ai passé un week-end extrêmement détendu. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. C'était vraiment un week-end cool. Encore. C'est galère tout ça. Où je me tâte, est-ce que... Yo Itch, comment va? Bonjour, bonsoir. Je me tâte, est-ce que je me fais du Phantasy Star Online 2 ce soir un petit peu? Est-ce que je me lance? Enfin, si je me lance, le marathon va passer... voilà. Laisser... Je me dis peut-être l'après-midi le marathon, le soir, me faire du Phantasy Star Online. Comme un golemon. T'as commencé Exen sur PS1. Il est pas mal Exen. Hérétique est meilleur, mais Exen est vraiment bon. J'espère que tu fais un gros kiff. Je me tâtais à faire Technomancer, non, je sais plus. Technomage, je sais plus. Un jeu PS4, enfin un jeu pas très vieux.
ça m'étonne pas plus que ça. Bon bah tant pis, hein, qu'est-ce que je te dis, j'ai pas de forcer non plus. Hein. Chose à foutre que forcer les gens à jouer à des jeux. Enfin, j'imagine que chose à foutre. En vrai, j'en sais rien. Yes. Ah voilà, je peux aller ici. Là. Non ? Pas clair. Est-ce que j'ai une arme qui manque de... Il y a un niveau, mais c'est compliqué. Ah, mais t'as encore rien vu là ! Oh là là ! Mais ça, toi, ça se voit que c'est ton premier jour sur Exen. Avec Exen, il est coquin. Hein. Je montrerai quand je vais voir le faire à quel point c'est criminel comme jeu. Ok, donc c'est là la suite. Donc l'autre c'est vraiment une speedrun strat quoi. Qui est plus simple. Non mais Exen il est vraiment cool par contre voilà, tant que t'as pas les baguettes magiques là qu'on voit vraiment genre qui est une espèce de mitraillette. Voilà le marécage des 4, c'est bien là que je dois aller. Tant que t'as pas fait ça, j'avoue que c'est un petit peu coton. Hérétique est meilleur hein, mais il est pas sur PS. Hein. Mais Exen est déjà vachement bien. Je crois que je l'ai sur Saturn et pas sur PS hein, bizarrement. T'as pris le cléric. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça aussi, ça c'est intéressant. Non, il y a pas mal de très très bonnes choses hein, dans Exen, vraiment. C'est vraiment un jeu sous-côté. Pour moi, il est complètement sous-côté, quoi. Il mériterait d'avoir au moins autant de mods que... Le Big Bass, comment va ? Il mériterait d'avoir autant de mods que Doom, si ce n'est plus. Ok, la porte est chelée. On l'a chelée. Ah oui, non, mais il y a plein de gens qui l'ont pas fait, vraiment. Qui ont... En même temps, il y a plein de jeux où les gens ils sont pas allés au-delà, quoi. Chat en mode only, non, je sais pas. Quelqu'un a mis ça? Ouais, ça va, je te remercie. Ça va, enfermé, quoi. Oh non, le retour des meufs quoi. Y'a que les modos qui parlent, d'accord. Je sais comment. Oh, attends qu'ils reviennent. Oh là là. Ah ouais, mais j'ai plus le temps moi, t'es marrant. Après, je crois qu'il faut attendre qu'ils soient pas trop loin. Voilà. On a le temps, on va le prendre. Ah, après, c'est dommage. Moi, je me dis, j'ai vraiment envie de jouer à Phantasy Star Online 2, mais si ce serait bien d'en profiter pour jouer avec vous, quoi. C'est sûr que si t'es pas saucé, si personne est saucé pour se lancer là-dedans. Peut-être réfléchir à autre chose, quoi. Après les classes, hein, il y a six classes différentes, c'est vraiment un bon délire, hein. Il est nerveux, le gameplay est vraiment nerveux, c'est un très très bon jeu. Genre Pass of Exile, ouais, mais alors pareil, faudrait que je joue sur PC. Le problème c'est que j'ai pas trop envie de jouer à des jeux PC, parce que ma console elle kiffe pas trop, enfin mon PC kiffe pas trop les jeux un peu gourmands en ce moment, il est vraiment dans le mal absolu quoi. Il est sur PS4, ouais. Ouais, c'est pas bête. C'est pas bête, quoi. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, ouais. Démonter et pas comme j'aime. Ah
Il n'y a pas de crossplay, ouais, bah j'imagine. Merde. Je fais de la de merde de ouf. Je suis dégoûté, quoi. Je peux pas faire des jumps comme je veux. Il pleut par chez nous. Il pleut et je crois que là on va avoir une semaine ou deux de pluie. Ça me fait chier, mais en même temps, c'est mesquin ce que je veux dire. Mais pour tous les enculés qui sont venus dans le sud, il y en a. Putain, il y en a. Les bâtards quoi. Les bâtards. Franchement, je suis obligé de dire les bâtards parce que j'ai d'anciens collègues qui se plaignent. Parce que malheureusement, là où on commençait à voir une chute. Là où on commençait à avoir une chute un petit peu des gens qui étaient admis aux urges et compagnie, du Covid et compagnie. Il y a tous les enculés qui viennent en vacances, qui arrivent avec les symptômes et qui viennent dans les urges pour remplir encore une fois, quoi. Donc ceux qui ont rien et qui viennent, bah, ils l'ont dans le cul parce qu'il fait pas beau. Et ça, ça fait plaisir. Et les autres, putain. J'espère, malheureusement, c'est horrible ce que je veux dire, mais j'espère que quand malheureusement on va devoir faire le choix de sauver, un mec de la région et un enculé qui est venu, on laissera crever l'enculé, quoi. C'est horrible, hein. Mais putain, moi ça me rend fou. Ça me rend fou, quoi. Ce je m'en foutisme, putain, mais. Ça me fait une boule. C'est une boule. C'est limite, je commence à avoir la tension tellement ça m'énerve. Mais c'est aussi parce que t'es tellement impuissant face à tout ça, quoi. Envie de leur mettre des rafales, quoi, des rafales de phalanges dans la gueule, t'as envie de leur mettre. Parlez-vous au cours de mime ? Ah. Voilà. On a enfin l'arme la plus cheatée du jeu. Bon, par contre, faut pas que je tire trop près parce que. Ah non, j'ai cru. Yo Pripyat, comment on va ? Bonjour, bonsoir. Ah ouais, moi je leur mets des rafales de phalanges, quoi, mais juste pour me détendre, quoi. Mais bon, bref. Bref. Ah, puis c'est malheureux. Parce que encore mon daron, ça va, il connaît un peu, maîtrise un peu les internets, tout ça. Donc j'arrive à faire des visios et compagnie, mais voilà. Mes deux parents, ils sont... Mais malheureux comme les pierres de pas voir leurs petits enfants, quoi. Alors qu'on n'est pas très loin, mais voilà, on fait l'effort. On fait en sorte que de pas tout niquer bêtement. Là, je crois que ça me ramène au début, non? C'est pas clair. Enfin bref, on va plutôt penser à des trucs sympas. On va se détendre, jouer à des jeux cools. Je trouve ça me fout une boule là, j'ai l'impression que mon cœur va exploser tellement je suis énervé, quoi. Ça me... Ah putain, elle s'est refermée du coup. D'accord, je pense que ça avait fait un petit raccourci. Que nenni, messieurs dames, que nenni. On est bon ? On est bon. Parce qu'il me semblait que j'avais pas fouillé tous les trucs de raquette. Faut se détendre et être généreux, oui. Faut se détendre. Être généreux, oui, faut essayer. Faut essayer. Les charités bien ordonnées commencent par ma gueule. Malheureusement, on est quand même dans un monde où tout le monde se fout de tout le monde, donc Ah, je peux être généreux en trahir. Ah ouais, je peux être très généreux. Ah, les rafales de phalange, oui. Si je peux dépanner, je dépanne.
Du coup, je verrai ce qu'on fait ce soir. Je vais réfléchir là cet après-midi tranquillement. J'avais pensé se faire un kiff. Que j'aurais appelé évidemment très sobrement, hein, vous me connaissez. La sobriété même. La sobriété faite homme. Le rétro de A à Z où je prends une machine. Par exemple, la Master System. Hein, avec le petit. Enfin, avec toutes les merdes qu'on a maintenant, on peut le faire à l'aise. Genre avec mon petit Raspberry. Et du coup, de A à Z, on se fait. On commence. Toi, on fait tous les jeux de A à Z. Mais genre, on joue un petit peu jusqu'à ce que ça me gonfle, quoi. Et là, je peux pas y aller, ouais. Ah, c'était évident. C'était l'évidence même. Histoire 2, tu vois, des fois on va jouer 5 minutes, des fois 10, des fois 1 heure. Y'a rien ici? C'est pas clair. Y'a rien. Et si je balançais une bombe? Voilà. Ouais, de la vie. La même vie que j'ai perdue, sûrement. Ah bah oui, c'est pour ça qu'il y a le... tout s'explique. Ce que je voulais voir, moi, non, ça on s'en fout, ça on s'en fout. J'ai qu'une clé. Ok, c'était surtout ça qui m'intéressait. Ça va. Bon, après, c'était vraiment histoire de changer un petit peu. Ah, ben voilà. Ben voilà, là, il y a un symbole. Ok. J'ai ma clé. Tu sais que voilà, sur ma Recallbox, j'ai absolument tous les catalogues jusqu'à la N64. J'ai pas la PS1, pas la Saturn, parce que ça tournait mal sur ces petites machines, malheureusement. Mais le reste, j'ai. C'est quoi que j'ai eu? Non, c'est pas celui-là. Bref, du coup, il y a moyen de se faire des kifous, voilà. Allez, tu peux même essayer de faire ça bien, c'est-à-dire quand je lance un jeu, c'est de trouver un maximum d'informations dessus, on essaie de regarder un petit peu, sorti quand, qui l'a fait, pourquoi, c'était quoi le but. Quel moment il s'est dit que c'était une bonne idée. J'ai des boîtes Master System, j'en ai une vingtaine, j'ai une vingtaine de jeux en boîte, et après le reste... Bah, ce sera de A à Z, donc on commence par le premier. La lettre A jusqu'à... On se fait de l'ordre alphabétique, comme ça moi ça me facilitera la recherche d'informations. Tu peux me lire les boîtes. A voir. Alors pas forcément faire ça ce soir, mais se faire une soirée, on discute, puis on voit jusqu'où on va, on reprend la fois d'après. On reprend la fois d'après dessus, pareil, on essaie de trouver un maximum d'informations sur le jeu pendant qu'on y joue. Puis moi ça peut me permettre, toi, de préparer les cours de l'année prochaine. Tu as des jeux qui vont me dire, ah putain, c'est vrai que ce jeu, j'en ai pas parlé. J'aurais pu en parler à mes étudiants, ça aurait pu les intéresser. Oh putain, c'est quoi? Ce serait pas des putains de sticks mou? Oh le con! C'est un piège chinois. Ah merde, la porte elle est chelée, mais c'est ouverte quand même. Son jeu vidéo entre Shinobi et R-Type. Après, franchement, je les ai mis sur Kaizo Mario là, pour les occuper. Y en a qui m'ont fait des belles runs. Attention.
Il y en a qui m'ont fait des belles runs. Franchement, j'étais pas bien. Putain! Mais c'est claqué ça! Quand tu veux sauter, ça saute pas. Putain, ça l'a refait. Ça l'a refait. Je saute en fait, j'imagine qu'il doit avoir un petit moment de... Putain, je suis mort. J'imagine qu'ils ont de la patience, ouais. Ouais, non, mais il y a des coquins. Je trouve ça excellent. Il y a vraiment des coquins, attention. Putain. J'ai moult messages, attends, 30 secondes, je suis désolé. Je te dérange pas toi? Tu vois pas que je suis en train de regarder mes messages? Attends, le mieux je crois que c'est par là du coup. Ok, yo Choupi, comment on va? Bonjour, bonsoir. Bienvenue d'eau. Everybody say. Merci infiniment, Baza. Merci infiniment pour le sub. Merci pour les 33 mois. Comment vas-tu? Bonjour, bonsoir. Tu contribues au monde meilleur et ça, c'est beau. Comment on va? Aussi, on a 47 abonnements, merci. Franchement, vous vous rendez pas compte, merci. Mais moi, ça me touche de ouf. Merci beaucoup, quoi. Ils font jouer les ados à Megaman et ils galèrent grave. Ouais, après, ça dépend. Est-ce que tu. C'est une question d'habitude aussi. Tu prends un gamin qui a joué à ce genre de jeu depuis jeune, il galère moins. Ça dépend des jeux que tu fais, quoi. Nous, ces jeux-là, on les a fait à un moment MNOLE, ben tu vois. C'est pas. Je suis sûr que moi, je galérerais sur des merdes comme Fortnite et compagnie. Je préfère pas essayer parce que ça va m'énerver. Je me connais, je suis pas patient, quoi. Puis ça me gonfle. Quoi de neuf les gars, vous avez passé un week-end, j'espère bien. J'espère que le week-end fut délicieux, détendant et tout. Oh, j'ai rien foutu, ça m'a fait du bien. J'ai regardé quelques épisodes du Mandalorian. C'était pas mal. Faut dire que j'en attendais rien. Du coup, bonne surprise en fait. Non, j'ai regardé 2-3 épisodes, c'est vraiment pour voir un petit peu quoi. Le week-end n'est pas fini? Comment ça? Putain, si on dit qu'on n'est pas lundi, c'est chaud. Je suis vraiment complètement déconnecté si on n'est pas lundi. Ah ouais! Ah oui! Putain, c'est week-end de Pâques! Mais joyeuse Pâques! Ah oui, c'est vrai, en plus je suis con. On a fait les yeux hier matin. Même, alors ça, faut pas le dire, mais madame aussi, elle a eu droit à ses œufs. Elle les a eu par paire. Haha, grand fou, va! Non, j'ai pas honte. Pourquoi j'aurais honte? Oh, c'était super agréable de regarder mon fils. Harry Port, mon gars. T'es une balance. Parce que je suis juif, c'est ça. C'est super agréable de voir mon fils récupérer les chocolats, tout ça, c'était super cool. Bon, c'était un peu moins cool de lui faire comprendre que bah, il allait pas tous les manger d'un coup, parce que sinon il allait tomber malade, ce mongol.
Mais pour le reste, c'était très agréable. Vraiment. Ouais, mais il casse les glaouis, ceux-là. Puis il a fait beau. Il a fait beau jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, de toute façon, là, il y a les nuées de touristes. Je suis très content. Ils ont passé un très, très mauvais week-end. Et du coup, ceux qui auront fait l'effort de se faire chier à Paname et alentour, eux, ils ont du soleil. Donc, c'est justice, les mecs. C'est justice. Dites-vous, ils ont été obligés de fermer les routes de Sète, parce que Sète, finalement, c'est un peu comme une petite île. C'est un peu comme une petite île. Ils ont été obligés de fermer la route entre Sète et puis... il n'y a que deux ou trois routes qui vont à Sète. Pour justement éviter que les putains de touristes rentrent et fassent de nouveaux cas. Parce que malheureusement, le nombre de cas a augmenté. Là. Ça a baissé depuis... Ça baissait depuis une semaine, là. Ça faisait une semaine que le nombre de cas aux urges au CHU, là, genre au CHU de Montpellier, où j'ai encore d'anciens collègues qui y bossent, commençait un petit peu à sortir la tête de l'eau et voir que, ben, voilà, on faisait attention, le nombre de cas diminuait, tout ça. Et là, t'as une nuée de touristes qui sont arrivés avec des symptômes, qui sont venus blinder les urgences, quoi. Putain. Je te raconte pas le dégoût dans la voix de mes anciens collègues, le dégoût, vraiment, j'avais... Je les avais rarement entendus aussi, mais c'était blasé, mais je me dégoûtais, dégoûté. Et à raison, à juste titre, quoi, évidemment. Eh, hey, trop bien cette arme! Mais ouais, c'est horrible. C'est horrible. Ah, après, enfin, surtout quand tu vois que t'as des soignants qui souffrent. Hein. Il y en a une que je... Bon, celle-là, je la connais. C'est une de celles que je connais le moins. Mais je l'ai encore en ami sur Facebook. Du coup, bah, je vois un petit peu ce qui se passe pour elle, quoi. Et c'est un crève-cœur parce que elle est mariée à un militaire qui est à l'extérieur. Elle a une petite... qu'elle doit faire garder par ses parents qui habitent à 160 km de là. C'est-à-dire que toute la semaine, elle bosse. Toute la semaine, elle bosse. Pendant que son petit, ou sa petite, je sais plus. On n'est pas assez proche. Hein, quand je dis, je ne la connais pas plus que ça. On a fait quelques soirées, on a beaucoup d'amis en commun, mais c'est vraiment pas celle que je connais le mieux. Mais bon, son histoire, moi-même démolie, quoi. Bon, ouais, voilà, elle voit son bébé que tous les 1000 ans, quoi, tous les 10 jours, tous les 6-7 jours, en fonction des gardes qu'elle a à faire, quoi. Et évidemment qu'elle ressent ça comme une punition. De voir qu'il y a des gens qui n'ont rien à foutre, qui font leur life, quoi. Qui font leur life, qui se mettent en danger, qui mettent en danger les autres, en mode bas les couilles. Ouais, mais non, mais. Il faisait beau, puis j'en ai marre d'être chez moi, ça me gonfle. C'est un crève-cœur, quoi. En tant que père de famille, moi je pourrais pas. Moi je tiendrais pas. Hein. Je crois que je chialerais, quoi. Ah oui, mais je me l'avais déjà dit, ça. Derrière ce corps de brute se cache un cœur sensible. C'est marrant, toi. Quand t'es papa, tu te transformes en fiotte. Doucement. Progressivement, mais sûrement. Il y a des choses qui ne t'atteignent pas, qui d'un coup te mettent mal. Mais mal, tu te rends pas compte, quoi. Cette douleur-là, quand t'es père de famille, tu la ressens x10, quoi. Tu la partages, quoi. C'est une horreur. C'est une horreur. Bref, on va penser à autre chose, parce que ça rend pas cool. je suis désolé, je voulais pas. Surtout que c'est en plus, voilà, je m'approprie une histoire qui m'appartient pas, c'est pas beau du tout. Mais bon, je trouve que c'était important de le partager, parce que c'est. Voilà, je la plains tellement. Elle a un courage que j'aurai jamais, je pense. Oh, ça me plaît. Bref. On va torcher Exhumed. J'ai bien envie de tester, ça me plaît, ça a un trou. Voilà. Allez, c'est parti. Ah putain, j'ai pas le bon. Ah, je sais où est ce putain de symbole. Je sais où tu te caches. Normalement, j'ai deux. Ouais, j'en ai deux, c'est bon.
J'en ai deux. Du coup, on verra ce qu'on fait le soir. Voilà, c'était aussi ça le début de. Au début, on parlait de trucs. Voilà, c'était ça. Qu'est-ce qu'on allait faire le soir, faire ou pas faire, évidemment. Histoire de changer un petit peu. Le jeudi, ce sera donc les jeudis de l'angoisse, hein, sûr et certain. Je vous en mets un petit coup. Je vous en mets une couche, voilà. Regardez cet écran de transition incroyable. Hop. Voilà, je n'en ai pas plus. D'ailleurs, Hérétique, au fait, c'est plus simple quand même que XN. C'est pas pareil. XN, on est vraiment très proche d'un Doom avec, voilà. On rajoute quelques trucs, tu vois. Hérétique, il y a un petit côté... fais-le. Non, je veux pas te spoil. Découvre Hérétique, tu vas voir, il est ouf. Non mais tu verras, quand tu vas tester Hérétique, tu comprendras ce que je veux dire. Tu comprendras ce que j'essaie de dire. Je peux pas le faire péter ça. Attends, je vais essayer un truc. Laissons aller notre curiosité. Ah, il s'est passé un truc. Ah merde. D'accord. Donc on verra sur quoi on se lancera le jeudi. Je réfléchirai, j'essaierai de trouver des idées de faire des trucs le soir un peu sympatoche, se faire des abécédaires d'une machine où voilà on joue un peu entre guillemets bêtement. On teste des jeux de A à Z, on voit un petit peu où ça nous mène. Yes. J'en peux plus des moustiques les mecs, mais je mets tellement. Là, ce week-end j'ai vu un ou deux moustiques. Je les ai éclatés mais j'étais en mode. Moi j'étais en mode exhumed. J'étais là, qu'est-ce que tu vas faire et tout. Limite je faisais des petits sauts pour être sûr de le niquer quoi. Ah ouais, ça m'a un petit peu atteint. Je crois que le jeu m'a un peu atteint. Psychologiquement. Je suis devenu un peu juste. Je trouve. Ok, boum. Ah, c'est pas. Oh, j'en peux plus de ces bestioles, putain. En fait, ces bestioles, c'est l'horreur. Merde. Ah non, ça va, j'ai pas perdu trop de vie. Oh, mais c'est suicidé. C'est complètement suicidé, c'était parfait. Ouais, c'est bestioles, c'est l'horreur parce que c'est vraiment. Pour les toucher, c'est la chienlit quoi. This is the chienlit, les mecs. En vrai, c'est. J'ai beaucoup de mal à me décider pour les soirées parce que j'ai très très envie, honnêtement. On se connaît bien maintenant, on peut se dire les choses. J'ai très très envie, honnêtement, de continuer à avancer le marathon. Parce que j'aime bien, voilà, ça avance, c'est cool, c'est pile ce que je voulais. Mais j'ai une pile de jeux à faire là, j'ai une armoire de jeux à faire aussi. Je me dis putain, faut que je les fasse à un moment donné. C'est une torture, hein. C'est une torture de. Chaque fois je suis là, je fais putain. Je vois mes jeux, je fais putain, faut que je fasse celui-là, c'est sûr. Et celui-là aussi, faut que je le fasse. Et... Je m'en sors pas. Qu'est-ce que je peux avoir contre 8000 billets? Une super carte. Ah ouais, je vous mets ça serait en fin de journée, je vous mettrai des manger photos. Manger chaud, c'est tentant. Mais faudrait être gogol pour c'est refuser ça une arme. Peut faire. Qu'est-ce que je m'emmerde moi? Oh non, je vais mourir. Qu'est-ce que je me fais chier? Une idée comme une autre me vient évidemment. Fais pas les RPG.
Attends, j'ai Nier Automata, j'ai Dragon Quest 11 à faire. J'ai Technomancer, j'ai Ah, Lich d'homme mage, je crois que ça veut Lich d'homme Sprout, ok, Sprout. Ok, bref. Yo Bob, comment on va? Bonjour, bonsoir. Je vous mettrai une photo de ce que j'ai rangé en plus. J'ai rangé par exemple les jeux PS4. J'ai fait une pile, enfin une méga pile multi, une méga pile solo. J'ai rangé mes jeux PS3 aussi que j'ai pas fini, mes jeux Wii U que j'ai pas fini. Mais quelques jeux Wii que j'ai pas fini. Heureusement, ça c'est bientôt fini. Et j'ai okay. Du retard, c'est pas mal que je m'y mette quoi. Merci infiniment Rage 606, merci beaucoup pour le follow, bonjour bonsoir. Et bienvenue à toi évidemment. Et suis-moi hein, c'est important. Oh là là, oh là là, oh là là. C'est complètement décalé putain, ouais moi non. Au contraire, c'est le confinement, ça m'a recalé de ouf. Je passe du temps avec mon fils, ma femme, beaucoup. Je pense que ça va être dur quand on va devoir reprendre le taf. Parce que mine de ça fait du bien. Je vais pas me les faire au flingot quand même. Ah bah si. Oh oui. Je l'ai essayé au flingot. Chais. Je prends la puissance, ouais. Comment va Rage, bienvenue à toi. Bienvenue évidemment sur le marathon le plus... intrépide du rétro gaming francophone. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'était les 7 poches, attention. Très, très très bel article. M'a coûté une véritable fortune. Je mange des pâtes, mais voilà. C'était une très mauvaise idée, cette arme-là. Oh, j'aime pas trop bien ça. Mais je me fais défoncer par des moustiques. Mais ma vie elle est claquée au sol. Oh là là. Oh là là, oh là là, oh, oh là là. Il y en a pas là-bas, non. On est mal. Faut que je garde les munitions pour être de munitions. Putain, mais je me rappelais pas que c'était aussi chaud d'avoir des munitions. Je me fais rincer comme rarement. Enfin, en tout cas, pas comme j'aime, quoi. Donc, pas ouf. Forcément. J'ai pas confiance. Toi, j'ai bien fait. Ok. Franchement, ça craint, j'ai plus de vie. La porte, elle est chelée. Chelée. Ah, tu vas me dire que j'ai pas appuyé. Évidemment, j'ai pas appuyé, quoi. Ah d'accord, c'est parce que c'est en même temps j'ai pas trop le temps quoi. Sur Saturn, ouais bah à la base il est sorti sur Saturn puis sur PC, PS1. Pas de vie, rien. Bah voilà. Échelle. Je l'aime, ok.
Ah non, c'était sûr. Mais c'était tellement sûr, quoi. Putain, ma vie, elle est claquée au sol. Je crois que l'Alien Trilogy n'a rien à voir. Enfin, les Alien Trilogy n'ont rien à voir d'une machine à l'autre. Et le produit zombie bien. Je suis mort. Ah, j'allais dire, il est tombé dans l'eau, non? J'aime pas tomber dans l'eau, c'est quoi? C'était trop beau. Game over. Yeah! Oh, du coup, je l'ai flingué. Alors, ça, je vais le garder pour quand je serai dans le mal. Supreme. Supreme! Supreme! Gonna count to three. The real Supreme! The chicken Supreme! Supreme! Yeah. Gonna count to three! Ah, je pouvais remarquer, mais non. Il y a beaucoup pour exhumer. Oui, apparemment, il y a un niveau, c'est absolument pas le même. Entre la version Saturn et PS1. Mais non. Mais non. Je suis trop teubé, je suis trop teubé, je suis trop teubé. Au moins, je sais ce que je dois faire, je peux le faire plus vite. Plus efficacement, mais j'en ai marre de crever sur tous les niveaux, quoi. C'est doux. Ce jeu ne me respecte pas. M'a-t-il seulement déjà respecté? Je ne saurais. Je pense que l'objet est tout là-haut. Yene templo, mon amour. Yene templo, tele George. Viens là, ma douce. Ouais. Et ça, c'est beau. On l'a perdu. Ah, ça fait un petit moment hein, que j'ai le cerveau, il est parti en flocon d'avoine. Ça ressemble à rien. Yo Tango, comment va? Bonjour, bonsoir, la forme. Ouais, écoute, ça va. Il pleut, mais ça va. Donc, chez toi, il pleut aussi, ma douce. Mais ouais. Merde. Il pleut pas. Il pleut que chez WAM quoi. Sans déconner quoi. 40 minutes près. Même pas. Enfin réussi. 40-45 minutes. Il pleut pas quoi. Est-ce qu'on peut m'envoyer la Cheetah Woman. Même avec un flingot nul, elle explose, j'adore. Ce jeu est génial. Ouais. Franchement, entre le Dark Forces, le Star Wars Dark Forces en FPS et le Disruptor, ça aussi je vous conseille. Si vous voulez des bons petits FPS sur PS1. Les Medal of Honor aussi, même s'ils sont un peu chauds. Bah, voilà. Je vous explique en ce moment. Tu as regardé. Ouais, j'ai regardé Iron Fist. J'ai pas été ultra saucé. Le pouvoir saucant de cette série n'a pas fonctionné avec moi. Après, moi j'ai un problème. Moi, je trouve que les séries Marvel Netflix, à part les premières saisons, après c'est très bof. Tout est bien. Enfin, ouais. Ça c'est à moi, je prends. Saison 3, épisode 7. C'est quoi que t'as mis? Ah, chez les, je suis sûr que t'as mis. Ah, remarque, t'as bien raison. T'as bien raison. La chanson. Chez les.
C'est bon, je peux bouger. C'est pas clair. On va dire. On va dire que oui. Chalet, virgule, chalet. Amelord, yaya. Ah oui, j'avais oublié, ça c'est énorme. C'est le. C'est monsieur Marsh. Holy shit! Ok mes petits potes. Ça c'est bon. Elle doit s'appeler Chérie, Chérie. Vos gueules les merdeux. Vos gueules les merdeux. Allez, nice. Pareil, peut-être le garder pour plus tard, ça, mais bon, c'est pas grave. Cela n'est pas grave. Ouais, j'aurais pas dû. C'est blindé de vie ici, putain. Je suis trop con. I am an asshole. J'ai à peu près sûr que tu t'appelles chez les chalets. C'est trop bien. C'est magique, mec. La VF. Non, mais après, honnêtement, il y a des très très bons comédiens de doublage hein, en France. Là-dessus, tu peux pas tester. Hein. Tu peux dire ce que tu veux sur plein de trucs, mais en termes de comédiens de doublage, la France, elle est vraiment, vraiment douée. Ça fonctionne. Mais non, c'est vrai que c'est pas le bon. C'est pas le bon symbole. On a la meilleure voix de Vegeta. Meilleure voix de Vegeta. Devant même la VO, quoi. Quoique, non, la VO est classe aussi. Mais voilà. Voilà, on en est là, les mecs. Yorembo, comment on va? Bonjour, bonsoir. Après, au-delà du comédien, la façon dont on lui demande de jouer, ouais. Ah oui, la VO de FF7 Remake, elle est bien. Enfin, la VF de FF7 Remake est bien. FF7 Remake est bien. Ceux qui l'ont fait sans me spoil, hein, parce que je le ferai dans très très longtemps, je pense. Parce que je suis un. Parce que je suis un clodo. Donc je vais l'avoir pour un petit moment. Yo, pour qui je viens? Version unique magique de survivant, oui, et de Nicky Larson aussi. Comment vas-tu, Croquis bien? Merci infiniment Wesley pour les 22 mois de sub, merci beaucoup, très très apprécié. Tu contribues au monde meilleur, et ça c'est beau. La VF c'est les feux de l'amour. Putain. Où ça? Nulle part. Très bien. City Hunter est génial, le film le plus improbable. Le film avec. Comment il s'appelle? Philippe Lachaud? Putain, je sais plus son nom. Je supporte pas ces films. J'ai pas regardé Nicky Larson parce que j'aime aucun de ces films. J'en ai vu deux. J'ai vu Babysitter et. Épouse-moi mon pote, je crois. Et c'était nul! Mais nul! Et puis mal joué en plus, surjoué. Enfin, c'est tout ce que je déteste. Quoi. Quand t'es pas un bon acteur, fais autre chose, quoi.
L'autre là, son acteur qui prend dans tous ses films, qui je sais pas, en jeu d'acteur, il essaie d'osciller. Alors je dis bien osciller. Il est entre Gad Elmaleh et Jim Carrey, mais sauf que le problème c'est qu'il est plus proche de Gad Elmaleh malheureusement. Puis Gad Elmaleh c'est pas un acteur non plus. Forcément, ça craint de ouf. Putain, il est pas bon cet acteur, mais c'est ouf quoi. Pour Nicky Larson, ça marche? Ouais, bah écoute, je ferai l'effort, je regarderai Nicky Larson. C'est possible qu'ils aient fait un bon. Enfin, j'espère pour eux qu'ils ont fait au moins un bon film, ouais. Bah après, c'est... un bon film, disons un film qui me plaira à moi. J'imagine que ça plaît à des gens. Il y a bien des gens qui achètent des places, qui achètent des DVD, qui. Je sais pas ça. Je préfère partir du principe que c'est moi qui ai tort. Je suis un vieux con, j'ai tort. Point barre. Le reste, c'est pour faire joli. C'est pour faire beau. Notre vision de FF7, donc je pense qu'il est très très bon. Film japonais. Sur des personnages, des interactions, il surjoue beaucoup. D'accord. J'essaie de vous lire au max, hein, mais j'essaie d'avancer aussi. Mais voilà, ça, mais je vous bisous. Je vous fais moult kiss. Il y a bien des gens qui regardent mes streams, ouais. Ça aussi, je comprends rien. Je comprends pas. Je dis oui la vie, je dis merci la vie quoi, évidemment. Y a pas de bonne ou mauvaise situation. Moi là-dessus, je me sens proche de. Je sais plus comment il s'appelle ce Golemon. Edouard Baird. Ne sous-estimez pas la puissance de la PlayStation. Par exemple. Si, c'est pareil. Sous-estimer, c'est faute. Sous-estimer, c'est tricher déjà. Retours sont mortels, mais au-delà de ça, comment dire, ouais. Non mais après je pense qu'il y a aussi de ça, des fois tu t'attends tellement à ce que ce soit très mauvais qu'il suffit que ce soit juste bon ou correct et du coup c'est, voilà, c'est un chef d'œuvre. C'est un chef d'œuvre. C'est très bon ce que ça va faire, mais c'est cool. C'est parfait. Parce que moi j'adore Nicky Larson quoi, j'adore. Et un peu comme Ken le Survivant, j'adore les deux versions. J'aime ce que, bizarrement, j'aime ce que la France en a fait. J'aime ce que la France en a fait de Ken le Survivant. J'aime ce que la France a fait de Nicky Larson. De Nicky Larson. Et de Mammouth. Il en perd sa moumoute le Mammouth. Parce que c'est deux œuvres à part entière en fait. Ça fait très. Ça même pas que ça fait très, c'est, je pense. Une parodie, tout simplement. J'ai l'impression d'écouter les mecs des donjons de Nalbuck s'amuser avec les images de Ken le Survivant. Du coup, c'est génial. Je sais pas si vous vous rappelez la saga MP3, les donjons de Nalbuck, c'est vieux. Quand j'aurai mon niveau 2. J'achèterai un duvet pour dormir dans les donjons sans jamais m'enrhumer. C'est un peu ça, la vie d'aventure. Putain. Moi, je vais pas vous faire toute la chanson, hein. Après, j'imagine qu'on va me demander des droits. J'ai pas d'argent, les mecs, oublions. Hein. Nalbuck, c'est excellent. C'est excellent. Oh, ce qu'ils m'ont mis! Mais sans déconner, quoi! C'est interdit! Yes! Je t'ai pété à la gueule! Voilà, c'est juste pour reprendre des munitions. C'est important. Ah, et maintenant on finit le niveau, on enchaîne. Je pense qu'on est pas très très loin de la fin. Je suis sûr que si j'étais passé par ma speedrun strat, j'aurais pu faire les derniers niveaux, mais non, j'ai envie de faire les autres. Start. En vrai, quand tu fais la transition vers ton écran de stream actuel, c'est-à-dire de quel écran à quel écran? De quel écran à quel écran je comprends pas.
Ah, j'aurais mettre une transition. Ouais, c'est pas bête. C'est pas bête, ouais. J'y ai pensé. Oh, que ce qui m'a flingué de ouf. Oh là là, mais me respecte jamais, elle. Elle a même pas essayé, d'ailleurs. Ouais, pas con. En plus, je crois que je peux... Alors, faut que je regarde comment faire. Mais je crois que je peux faire une scène de transition dans OBS où je mets énormément de sons différents. Et ça va en, à chaque fois, ça va en lancer un au hasard. Ou même carrément plein de vidéos et ça va en lancer une au hasard. Comme là pour le jeudi de l'angoisse, tu vois, quand je fais la transition, le jeudi de l'angoisse. Il me semble que je peux très bien ne pas en mettre forcément qu'une. Et je sais pas comment, il faudra que je regarde, il faudra que je me fasse un tuto. Ça peut être sympa, ouais, à chaque fois, un écran de démarrage, un jeu PS1, ouais. Merde. Est-ce que je suis con? Oui. Oh oui. Ouais, j'ai une petite préférence pour la mitraillette, hein. Ça s'explique pas. Par contre, je vais prendre un petit peu de lance-flamme. Ok. Et ça c'est bon. Je regarde s'il n'y a pas des trucs qui peuvent se péter là. Ça m'arrangerait. Hein. Ça, je prends une munition. Oh, la ruse était finaude. Biatch. Sans déconner. Yo, c'est Lennon, comment on va? Bonjour, bonsoir. Mais je me suis fait démonter, quoi. Ouais, ça va nickel, Tango. On fait aller, toi. Comment vas-tu? On est tous là, enfin, du moins les gens qui habitent dans le sud, on en est tous là, Big Bess. Moi, j'habite à 5-10 minutes de la mer et à allez, 40 minutes max de la montagne. Et je peux aller ni à l'une ni à l'autre. Et je fais l'effort. Je fais l'effort pour pas me comporter comme tous ces crétins, quoi. Je retourne au début du jeu, je crois qu'il y a beaucoup de vie au début du jeu. Yes. J'avais dit ou j'avais pas dit. Oh, c'est juste que j'avais un petit peu de mémoire. Je m'en sors bien, quoi.
Ah putain, j'aurais peut-être pas dû. Bon, c'est pas grave. Un tour en bagnole, ça me gérerait pas. On a une amende à tous les coups. Bah moi, je sors la bagnole une fois par semaine et je te dis, hein, je vais au magasin qui est à 200, 300 mètres de chez Wab. Et je fais pas plus, quoi. Tant pis, après, je joue dans le jardin, j'ai un petit jardin. Mais bon, c'est... heureusement j'ai un petit chien, heureusement j'en ai un quoi. Et puis le matin, bon on va pas aujourd'hui parce qu'il fait un temps de merde. Après voilà, je passe du temps avec mon fils. Histoire de faire d'autres choses, sinon j'ai rien à faire. Ouais, je comprends, attends, gros. C'est cool. Yes, on était sûr. Ah, est-ce que je prends le risque alors que je suis à la fin? Ouais, on est des ouf. Ah, j'ai pas ce qu'il faut. Je pense qu'il me faut un truc pour pouvoir sauter de... pouvoir sauter de l'eau ou un truc comme ça. Et c'est nickel, on a fini encore un niveau. Et une foule en délire lui lançait les bigorneaux. Pas mal. Ouais, pas mal, j'avoue. You're pretty good. Palais englouti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Du coup, c'est là la suite. Et on a eu qu'un seul boss. Il pleut des bigorneaux. Ah, il pleut des bigorneaux. On a eu qu'un seul boss, hein. En vrai. Du coup, je sais. Putain. Du coup, je me fais paniquer, je sais pas à quoi jouer ce soir. J'avais tellement envie de tester Phantasy Star Online 2, mais si personne veut jouer, ça gâche un peu la, ça gâche la moitié du délire en fait. Même si je pourrais très bien jouer tout seul, mais ça, ça a des putains de pièges. J'aime pas trop. Ouais, oui, c'était sûr. Putain, je... Réfléchis. Là. Ok, nickel. Si je trace, ils me font pas de dégâts. Je fais gaffe à ma vie. Ah ok, je peux respirer. Oh, c'est les choses qui viennent de se passer. Mais ça a buté les autres bestioles. Par contre, j'ai plus de vie. Ouais, un petit peu là. C'est quoi que j'ai? C'est pas celle-là. Oh non, je fais de la merde. Je fais tellement de la merde. Je suis dégoûté. T'as vu le nouveau jeu de survie qui va sortir? Non, du tout, c'est quoi? Qu'est-ce donc? Dis-moi tout. Oh, je prends tout. Je prends tout. Oh genre j'ai perdu de la vie. Quel jeu de merde. Est-ce que je peux reprendre de l'oxy là? Yes. Oh ce niveau il va être tout ce que je déteste je pense. Merde je peux pas y aller là. Yes, une fois que t'as flingué toutes les... Voilà. Et au passage, tiens. Petit cadeau, choper une deuxième clé. J'aime pas du tout ce genre de niveau, mais généralement ils sont pas très très longs. Parce que c'est pas finalement si complexe que ça. C'est juste que c'est chiant. C'est pas
pas la bonne clé que j'ai eu évidemment. Ouais, c'est pas celle-là, quoi que. Non, c'est pas celle-là. Ah, ça par contre, c'est cool. Moult vie. Deadside. Ok, je regarderai ça. Mélange plusieurs jeux, je regarde un stream à côté qui le teste. Ok. Y'a pas de zombies. Ah putain, non, c'est pas celui-là. Différentes difficultés, d'accord. J'ai vu par contre que Dead Frontier 2 était passé open world. Donc c'est vrai qu'on pourrait tester. Ah ben on pourrait tester ça. Les jeudis de l'angoisse, si ça vous dit. S'il est passé open world, on pourrait le tester. Le jeu est gratuit. J'avais pas le choix. Je vous noterai le truc là, Dead Frontier 2. Je vous montrerai, c'est... Enfin, je vous montrerai. Je vous noterai sur... Sur... Je vais y arriver ou pas, moi, à parler? C'est une horreur. Il s'est plus parlé quoi. Sur Discord. Je vous noterai Dead Frontier 2. Le jeu est gratuit. Enfin, normalement, il est toujours gratuit. On avait fait une soirée. C'est assez rigolo. Le problème, moi, ce que j'aimais pas, c'est que c'était des niveaux. Tu te téléportais de niveau en niveau. Et maintenant, apparemment, c'est vraiment open world. Il y a un petit côté Resident Evil 4 que j'aime beaucoup. C'est full coop. Ça a l'air. Enfin, c'était vraiment cool à part ça. On y avait joué avec, je crois, avec Codeine. Avec Tango. Oh lord et tout. Donc si ça vous dit. Ça vous dit, on le testera. Voilà. C'est bon, je suis revenu là. Oh, je suis... Ah non, c'est pas la même. Mais je suis quand même revenu là. Il est toujours gratuit. Ok, mais du coup, il est passé en open world. Donc, si ça vous dit de le tester ou de le découvrir, peu importe. On pourrait se faire un jeudi de l'angoisse là-dessus. Du coup, on pourrait le faire à plein. On pourrait vraiment, je pense, bien rigoler. Ah non, c'est pas le bon. Alors, cette porte, je sais pas où elle est par contre. Va falloir se balader et fouiller. Allez, monte. Oh, que c'est chiant ça dans l'eau, ça rend ouf. Ouais mais non mais si voilà je suis déjà allé ici. Là ça si j'ouvre il se passe quoi? J'y viens d'appuyer sur carré comme un con là, on est d'accord? Je viens de me flinguer une barre de vie entière. On est d'accord toujours. Oh, je suis dégoûté. Sur PC d'être frontière 2 ouais. C'est un peu le problème, je me dis par contre mon PC risque de pas kiffer. Mais bon. Des merdes. Ok, on repart. C'est de me faire un peu de vie quand même. Non. J'aurais essayé. Ah mais ça fait un petit saut.
Ah, peut-être que je teste des trucs. J'ai peut-être pu l'avoir l'autre pièce tout à l'heure en fait. Cela n'est pas grave. Ah merde. Il est là le dernier. Super. Oh ça craint. Yes, de la vie, c'est exactement ce que je voulais. Ah, pourquoi c'est fermé alors que c'était ouvert tout à l'heure? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça se ferme d'un coup comme ça? Je ne sais pas. Et si j'ouvre là, ça se... Non. Ça passe à rien. Ah, peut-être sous l'eau ici, il n'y a peut-être pas que ça. Voilà, je vois qu'il y a des petits passages ici. Voilà, par exemple ici, je suis pas sûr d'y aller déjà. Les... Ah si, je suis con. Tout ça n'est pas véritablement clair. Mais on va faire avec, on va faire avec. Me manque une porte que j'ai pas trouvée. En fait, je pense qu'une fois que j'aurai trouvé, je pourrai aller chercher la dernière. Mais non. Mais non. Je prends trop de dégâts. Ah attends, parce que la tête à chaque fois je passais ici et je prenais pas l'autre. C'est peut-être temps d'essayer de tester l'autre. Ah ben voilà. Yes. Ok, on est bon. Cool. Là, ça s'ouvre, ok. Est-ce que je dois y aller ou pas? Enculer lui d'abord. Un petit peu d'oxy. Merci. Et on enchaîne. J'adore la musique de ce jeu, vraiment. Pourtant c'est simple, hein. Petite nappe. Y a pas 40 000 trucs dessus. Juste ce qu'il faut. J'ai bien fait de passer à gauche, je ne sais pas. En tout cas, j'ai plutôt l'impression qu'il faut que je m'ouvre, que je me speed le cul. Ok, et j'ai repris full vie. Et j'ai récupéré la dernière clé. Donc normalement, on a fini le niveau. Elle est pas belle la salade. attends, j'ai pas fini. Fais pas le malin, le niveau n'est pas terminé. Oh que long. Nous n'en sommes qu'à nos balbutiements. Ah putain, c'est pas par là. Bah si, c'est par là que je suis con. J'ai juste à prendre une porte là, la con, qui est ici. Voilà. Pourquoi j'appuie sur carré? Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi j'appuie sur carré pour ouvrir la porte quand c'est rond? À quel moment mon cerveau, les connexions ne se font plus? Premier qui me dit qu'elles ne se sont jamais faites. Bon, il aura raison, mais c'est quand même extrêmement désobligeant. Personne ne vous force à me parler comme ça.
Ou si quelqu'un le fait. Appuie sur les touches. Appuie sur les touches. Non, mais on parle pas, toi. Appuie sur les touches. T'es possédé, toi. T'es complètement. Pourquoi j'ai perdu de la vie? Ne sous-estimez pas la puissance de la PlayStation. J'ai sauté de là. En fait, dès qu'il y a un petit dénivelé, il considère que t'as plus les pieds sur le sol et tu ne peux plus tu ne peux pas sauter. Yes. Et une foule en délire lui lançait les bigorneaux. Ça avance, c'est cool. Camp d'esclaves déserté. Oh putain, c'est pas encore. You're pretty good. C'est pas encore le boss. Il y a plus de niveaux que ce que je pensais. Je me suis dit là, c'est bon, c'est boss, plus objet, et ensuite je peux revenir, etc. Le jeu est un petit peu plus long que prévu. Pas beaucoup plus long, mais un petit peu plus long. Wow. Wow. Damn right. Attends un petit peu, lui. Sprout. Son corps, il a fait sprout. Splouche. Ah, excellent. Les cadavres de conquistadors, je ne sais quoi. Par contre, je savais pas que j'étais chez les Incas. Mais d'accord. Ah non, mais c'est pas un... Non, d'accord. C'est juste un quemé à côté d'une jarre. Alors ça, c'est pas sport. Alors ça, c'est pas beau, ça. Crois-moi, c'est pas beau. Pourquoi tu descends pas? Ah oui. Ok, donc là, il me faudra une clé. Il me faut une clé. Les Incas d'Egypte. Ouais, non, mais j'ai... Oui, c'est plus un mec bourré à bâcher sur une jarre. Non, je pensais que c'était un cadavre à côté d'un... d'un home de conquistador, là. Oh, le con de chat, il a fait tomber. Bon, c'est des jeux PS1, PS2. Ah si, c'est des bons jeux PS2, putain, Silent Hill 4 et tout, il a fait tomber. Non. Oh, mais quel enfoiré ce chat! J'ai pas de sous, le chat fait pas le fou! Si je choisis entre toi et Silent Hill 4 The Room, le choix est vite fait quoi. J'ai pas dit The Room Tommy Wiseau évidemment. Rien à voir. Ça fait grésiller. Miam ce bruit. Ouais. Dans le dos, c'était signé. Sign, sealed, deliver. Il en reste un. Ah ouais, je préfère les buter. Je préfère les buter, j'ai pas confiance. Genre, je suis en hauteur, il arrive à me toucher. Attends, il arrive à me toucher au corps à corps quand je suis en hauteur. Alors que moi, avec une arme à feu, j'arrive pas à les toucher quand elles sont à 2 cm trop bas. Si on faisait un taunt GG avec le thème de Giorgio dans Jojo. Ah ouais, quoi, oui. Oui, en plus, il y a un Jojo sur PS1, donc oui, c'est validé. C'est complètement validé. C'est quel. Ok, c'est bon. Suite est là. Là, la porte, elle est chelé. Ah, faut que j'arrête avec ça. Mais non, mais je touche, là.
Bah oui. Oh le con, il est où? Il est où? Il est où? Faut arriver. Bah. Oh, je suis obligé. J'étais obligé, les mecs. Oui, bah oui, à un moment donné. À Mendonné au Mendon. C'est inconnu, ça. Qui n'a jamais Mendonné? Par codéine, évidemment. Qui, du coup, voilà. Pas d'info. Faites pas les fous. Ça a ouvert. Non? Ah si, ça l'a sûrement ouvert en 2-2 quoi. Tac, gratuit à côté. Non mais voilà, ça c'est des private jokes ça. Je peux pas comprendre. C'est des blagues privées ça les mecs. Eh oui, t'es là, t'es dedans. Oh mais faut être encore plus rapide que ça. Tu te fous de ma gueule quoi. Tu me diras, j'ai pas eu le temps de sortir. Faut que je réfléchisse comment. Est-ce que je peux faire ça là comme ça, boum. Ah bah oui. Ah mais d'accord, mais oui. Mais oui, mais c'est... Mais non! J'en peux plus! Ils font vivre votre chaîne, ouais. Ouais. C'est plus fort que moi, je suis vraiment une raclure. Putain, mais ma vie elle est claquée au sol, mon gars. 17 secondes le taunt. Oh, il coûte 5000 alors, minimum. C'est un taunt à 5000 ça. Yes! Lance-nous le con. Sprout. L'ennemi a fait Sprout. C'est quelques... Ok. La rage de Star Platina. Ah mais une déjà c'est bien. Catch my heart, Berry Melon. Oh non, il reste le seul que je voulais vraiment claquer, il est pas mort quoi. Sans déconner, enfoiré. C'est un petit enfoiré. Et boum. C'est vrai qu'il va arriver un moment, on va faire une... Enfin, on va enchaîner des soirées sur Space Hulk Deathwing, parce qu'il faut absolument que je le finisse. Il y aura ça aussi. Il y a des jeux que j'ai absolument envie de faire. Je les ferai, je pense, le soir. Parce que l'après-midi, c'est bien le marathon, c'est cool. Enfin, moi, j'aime bien en tout cas. Le marathon l'après-midi, c'est assez sympa quoi. Les insectes dominent le monde. Bah, c'est Starship Trooper avant l'heure ce jeu. Voilà. Genre, il est passé lui. Oh, c'est un truc de ouf. Okay. Ouais, de là je fais quoi moi?
peux pas y aller. Oh, si je peux y aller, c'est mal dit. Ah, attends. D'accord, j'ai compris. J'ai compris. Je crois avoir compris. Voilà, est-ce que ça a pété des trucs? Ah ouais. Oh non! Je vous hais, vous! Cassez-vous! Sans déconner, quoi! Même c'est caché dans des jarres, dans des cadavres, il y en a partout! Vous ne passerez pas! Ses rêves le double que les insectes. Après, j'habite à la campagne, les insectes il y en a partout. Ce doux bruit. Ça fait trop. Faut que je refasse tout là ou pas? Est-ce que je le tente? Du coup, c'est quoi la première salle? On va le faire péter. Ah oh, putain, il a le truc. C'est pas le bon écho évidemment. Aïe. Oh là là, je me suis fait démonter. Ça pour un objet de merde quoi. Ah, je suis deg. Mais ma vie elle est toute claquée. Sans déconner, quoi. Oh, sans déconner, quoi. Ma vie est... Oh my God! Bah, il m'a appelé Françoise, ouais. Ouais. On peut le dire. Voilà, la vengeance. Est-ce qu'on va récupérer l'objet? Oui, je l'ai vu, je suis obligé d'aller le récupérer. Tu as manqué toutes mes munitions toi ou comment ça se passe? T'as réduit donc t'as bien fait je pense. Dire ça fait zéro dégâts cette merde. Ok.
tu ne mourras pas, mon gars. Jamais. Il y a un truc à faire ici, mais quoi? Peut-être plus tard. Putain, il pleut Gaïa en fait. En fait, il va pleuvoir toute la semaine. Quoi. Je suis tellement habitué à passer mes matinées dehors, mes fins d'après-midi dehors. Je pense que je vais déprimer. Déprimé de ouf. Je vais chanter du Étienne Dao, quoi. La noter. Je voudrais coincer ma bulle dans ta bulle. Fais mon cas. Ton bon cœur, aquarium. Ah putain. J'entends les bing et les bang. C'est mon cœur blessé. L'amour tel un boomerang, il aura tout emporté. Ça fait cracher mon coca. Mais c'est ça le but de ma vie, c'est vous faire cracher des trucs quoi. On commence par un coca, tranquille, on verra. J'ai l'impression d'avoir perdu de la vie, mais ça me paraît tellement absurde que je ne vais me faire comme si j'avais rien vu. Je vais pas essayer d'aller directement à la fin du niveau sans déconner. Est-ce qu'on me refuserait le... Ah, c'est le feu. D'accord, encore des personnages sexuellement attirés par le feu. C'est bien, changez rien les mecs. Mais va chier le jeu, c'est un truc de ouf! Putain, tu peux sauter nulle part. Qu'est-ce qui m'empêche de sauter là, sans déconner? Quand je suis là, qu'est-ce qui m'empêche? C'est n'importe quoi ce jeu quoi. Sans déconner quoi. T'es tendu comme une crampe! C'est pas que je suis tendu, c'est qu'à un moment donné, faut arrêter de se foutre de ma gueule quoi. Puis j'ai pas besoin de ça pour qu'on se foute de ma gueule quoi. Mais regarde-moi ça! Oh putain, mais... Je peux plus de ce jeu de merde sans déconner, quoi. Je déconne, mais là, ça va pas. En fait, je déteste la hitbox du personnage. Je déteste sa hitbox. Elle est beaucoup trop grosse, quoi. I'm playing with Homer Simpson, quoi. Look at me, I'm playing with Monsieur S, quoi. Ça va pas du tout. D'accord, donc la dernière clé, ça me permet de pouvoir sauter directement. Moment incroyable. Non, reste... Laisse-moi tranquille, toi. En fait, le niveau est tout petit, en vrai. Ah non, tu commences pas toi. À moi ça quoi. Un demi-chargeur sur une putain de moustique quoi. On dirait un mauvais film de... Franchement on dirait Ninja Kid. Je me suis transformé en le gros de Ninja Kid. Je sais pas si vous vous rappelez le gros qui vient essayer d'enlever les enfants là. C'est la boule de Fort Boyard mais version Jap quoi. Oh, on apprécie. Visuellement, on a apprécié, je pense. Ouais, il se passe quelque chose là. Visuellement, le jeu essaie de nous dire un truc. Yororo, comment va? Bonjour, bonsoir. Visuellement, le jeu nous a dit. Allez, merci. C'est tout pour moi, c'était le jeu. Ah. Je crois qu'il pensait que t'avais encore des choses à dire. Bon, bah. Oh non!
T'es trop gentil avec le jeu, je le savais. Oui. Alors ça oui. Ok USA. Ok USA on a dit. Ça va ou quoi? Code 9. Code 9. Bon allez, on va le chercher cet objet, j'ai dit que je le voulais. Qu'est-ce qu'il fait lui? Je sais même pas où il est parti. Tu fais quoi toi? Tiens. Oh, j'ai failli me faire ouvrir encore. C'est pas si clair. Hein. Félindra tête de tigre, elle a changé de ouf. Ouais. Elle est un peu vénère. Hein. Je pense qu'on n'a pas payé 16 heures sup ou enfin il s'est passé quelque chose. Sur le fort, ça craint le... Prout. Il a fait prout. Bon maintenant il va falloir que je trouve comment monter là. Laisse tomber, je sais pas comment on fait. Ça va me gonfler, j'ai pas envie. J'ai pas envie. J'y retournerai quand j'aurai un peu plus de vie. Ma vie sera un petit peu moins délicate. Oh, parce que ça m'énerve. Ça m'énerve. Je suis chafouin. Voilà. I am chafouin. Look at me, I'm chafouin. Il manque toujours une pute. Il manque deux clés. Voilà. Ouais, récupérer de la vie, il doit y en avoir partout là. Yes, super. Ah, je vais repasser par là, je vais avoir re-envie d'essayer. Parce que je suis un con. Regardez-moi. Cette tête, c'est pas la tête d'un con, ça. T'auras accès... Ah, t'as pas accès à Wizbot? Merde. Je te rassure, moi j'ai jamais droit. Jamais accès à Wizbot. Ah putain, j'ai compris, bah oui. J'y vais pas. C'est le truc, faut courir sauter, mais le problème c'est que si jamais je cours et que je saute un tout petit peu après le dénivelé, mais du coup, je suis en mode dénivelé. On est mal. Putain.
chier, faut que je trouve de la vie. Faut que je trouve de la vie quelque part. Reste un PV les mecs, un PV. Ça ne me plaît pas du tout, putain. Merde. Excusez-moi. Je vais aller là voir s'il n'y a pas de la vie. Ah. Allez, parce qu'il est trop gros mon perso. Mais non, parce que je sens que je vais mourir, c'est aussi ça quoi. Moi de la vie. Ça va. Ah oui. Ben voilà, on va essayer de retourner chercher l'objet. C'est le mec qui... Il apprend pas de ses erreurs. Ouais, c'est bon, je peux y aller maintenant. Franchement, je me suis mis bien. Y'a personne, y'a pas d'ennemis là. Y'a quoi là-haut? De la merde. Jean-Michel à vie changeant, tout à fait. C'est moi. Mais vous m'avez reconnu? Alors, par contre, pour, je préconise une petite dose de bombinette Bob. J'ai perdu de la vie, je sais pas comment. Oh, j'ai cru que j'avais appuyé sur carré comme un golemon. Mais il n'en était rien. Ok. Ouh, 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 ouh. Quel biatch quoi. Oh là là, la vache quoi. Au début, ça m'intéresse absolument pas. Et là, ah, ça me plaît. Ok, là-bas il y a de la vie si jamais. Mais j'en ai rien à foutre. On enchaîne. Oh, holy shit, je peux pas y aller. Du coup, bah si, par là. Alors. Oh! Pas clair du tout cette merde. Attends. Ok, là c'est scellé. Va te faire. Oh, va te faire mettre de l'univers. C'est chaud. Ouais, j'ai dit va te faire mettre de l'univers. J'ai enchaîné par un c'est chaud, virgule. J'arrive de l'autre écho. Je sais pas comment on va de l'autre écho. C'est pas clair ça non plus. Ah bah oui. Suis-je bait? Ok, ça a amené des ennemis. Et sinon ensuite...
Ah. Mais ce jeu il est pas clair du tout. C'est pas là. C'était pas là. Non. Ah bah je peux y retourner. Ah oui ça l'a baissé. Ok. Ok USA. Nos problèmes. Yo Musica, comment on va? Bonjour, bonsoir. Hey, where are you? Ah je peux pas y aller. Merde, alors du coup ça fait quoi? Oh chaud, oui. Non. Si quelqu'un voit, non, 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 non. Pas pourquoi je vous dis ça. J'aurais dit là, mais non, apparemment. Pas me baisser, donc c'est mort. Je vois pas ce que ça ouvre ou pas. Putain, si c'est là. Et là ça referme, ok. Joe, Joe. Oh non, mais faut se speeder le cul en plus. Mais n'importe quoi ce jeu, putain. Oh la vache. Oui. Oui mon petit pote. La foule en délire, les bigorneaux, on y est, c'est là. Allez on se casse. C'est quoi comme clé que j'ai eu, je ne sais plus. Non c'est pas celle-là, c'est l'autre, c'est celle-là. Allez, on a presque... Allez, on a presque fini, il reste encore une clé à trouver quand même. Ok, ça je m'en fous. Ils ok. Gaël m'a fait sur FIFA 20, on aurait pu... Mais j'ai vu, mais t'as tout le monde qui fait des lives là, tout, je comprends pas pourquoi. Ils ont pas assez de fric, sans déconner. Ça, j'ai vu ici là, les Big Flo, les couilles aussi là. Ta carrière elle est si merdique que ça. C'est vrai, moi je suis pas intéressé par ce genre de mec, mais. Il y a avoir quelques personnes qui regardent ce qu'il fait, non? J'ai un banane ou deux là! J'ai un banane voilà. Ou deux là! Très bon, excellent. Excellent. Bonsoir. Hey. Ah, génial! Génial, ma vie elle est trop cool. T'as mon cœur? Waouh! Oh, un petit truc. Envoyez-moi ça. Petit café. C'est du flan. J'ai fait un flan. Tiens, mon cœur, merci infiniment. Je t'aime. Elle est passée, Vanessa, ou pas? Pas encore. Bah, si, moi je te rappelle. Tu me le dis, ça, je passe ma tête et je la remercie. Je fais un bisou. Ou je dis. Ouais. Je fais un flan pas que sur le jeu, héros. Non, ce gars, je me suis fait plaisir. J'ai fait de la bouffe, quoi. J'ai fait un flan maison. J'ai fait une quiche facile. J'ai fait un peu de tout. Je me suis régalé. Ah d'accord. Oh le merdier de ouf. Ok.
Ouais, et là j'ai une pote qui bosse à la boulangerie, une grande grosse boulangerie. Elle va nous ramener des trucs et tout, elle va nous mettre bien. Franchement. Honnêtement, je veux. C'est là que tu te rends compte que t'as des amis de ouf. T'es super bien entouré. On prend des nouvelles. Enfin, après, bon, c'est des amis. C'est des amis. Enfin, c'est la famille, quoi. Et Poulain Délire lui lance des bigorneaux. C'est la famille, quoi. C'est des amis que je connais depuis que je suis tout petit. C'est jamais quitté. Et là, avec qui je fais de la zip depuis. Genre un. Quel anglicisme. Ah oui! Oui! Oh, ça, c'est beau! Ça, c'est beau! Oh là, ça, c'est magnifique! Ça, ça c'est beau! Bon. Oui! Ouais. Il pleut des ça questions! Fait ça fait 20 ans que je fais de la zip avec. You're pretty good! Avec mon pote. Mikey. 20 piges. Peut-être pas dû aller aussi vite. Ok. Oh, le jeu il en peut plus. Je fais n'importe quoi, le jeu me dit putain, marque une pause. Le jeu me déteste. Du coup ouais, on essaie de se donner des news, de se mettre bien quoi. Salut, ça va, bah, moi ça va et toi ça va. Bah moi ça va et toi ça va, bah, moi ça va. Ouais ça va, écoute, si moi ça va, ça toi ça va. Moi, ça va. Un grand moment. Et boum. Et boum. Mais bon, je suis sûr que vous avez aussi ce genre de. Enfin j'espère, en tout cas vous avez ce genre d'amitié avec des gens. Ça permet vraiment de tenir. Parce que moi je me fais chier, j'ai tellement l'habitude de faire des soirées. C'est le problème des gens du sud en fait, on se rend pas compte les gens. Les touristes, c'est qu'on a tellement l'habitude d'être tout le temps dehors, tout le temps faire des apéros, des barbecues, des planchas, même quand il fait moyen. Le chameau ça permet de finir le niveau. Du coup on est là, on est vraiment malheureux quoi. J'ai nettoyé deux fois ma plancha. C'est en mode non mais je peux pas faire de plancha encore, elle est pas assez propre. Il est mort ou pas? Putain, mon flan est trop bon. J'avais un peu beurre parce que j'ai pas mis de caramel. J'ai fait vraiment full vanille. Mais bon. Les vanilles, c'est peut-être pas beaucoup. J'ai un peu la tristesse, en fait, c'est trop bien. Yoshiro, comment va? Bonjour, bonsoir. Très well, you. J'hésite, ce soir, est-ce qu'on continue le marathon ou est-ce que je me fais un kiff Phantasy Star Online 2? Le problème, c'est que si je commence Phantasy Star Online 2, il y a des chances que je ne m'arrête jamais. Hein. Vous êtes pas prêts, hein. Moi je mongolise hein, moi, sur ce genre de jeu. Du coup, je suis un grand fan de Phantasy Star. Donc, t'as donc Disgaea 5. Nice. Nice. Il est super. Moi, mon préféré, c'est débile. Hein. Je pense que il y a le côté confort, ça fait longtemps que j'y joue. C'est le Disgaea 1 sur DS. Trop bien sur DS. Pourquoi j'aurais. Mais non! J'ai raté mon saut. Il est nul ce jeu. Ah ouais, c'est mieux. Il est mal, il est mal, il est mal! Oh, c'était sûr! Son préféré aussi, ouais. Après, tu peux y jouer sur PS2 à la base. Mais. C'est vrai que sur DS, moi je me régale. J'ai pas honte de le dire, hein. Sur DS, je me régale. Il est trop bien, je l'ai encore. En même temps, sur DS, t'aimes bien les tactical RPG, t'as Covenant of the Plume, Valkyria Profile. Très bon. Très très bon aussi. Pardon. Je mange comme un gros sagouin.
I'm eating avec like gros sagouin. Who's the gros sagouin? Yes, that's it's me. I am the gros sagouin. Ouais, je suis bilingue. Je suis bilingue. T'es pas bilingue? Triste. Meurs. Je préfère. Oh oui! Oh, dommage. J'ai même piqué un œuf de Pâques à mon fils. Oh, je pense. T'as honte, toi? Voilà. Oh non, 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 non! Advent Sword. Ah ouais, mais c'est pas tout à fait c'est pas un tactical RPG. Enfin, déjà, c'est pas un RPG. Bon, on croit que t'as juste du tactical. Mais ouais, c'est stratégie, gestion et un peu de tout. Par contre, moi, les Advent Sword, je les préfère sur Game Boy Advance. Je suis pas fan du tout des Advent Sword DS. C'est comme les Golden Sun, c'est pareil. Je suis pas fan du tout du Golden Sun DS, quoi. Golden Sun Game Boy Advance, c'était trop bien. Oh, ce qui m'a mis! Ah non, ça va. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est bon, ça. Désolé. Hein. J'en profite. Je me fais mon petit goûter en même temps. Je peux pas y aller là? Non? C'est pas clair? Oh! Ça va. Je vous ferai bien le si vous êtes chaud, un de ces quatre, je vous ferai bien le grand-père de Advance War. Ça vous intéresse sur NES. Le papy d'Advance War. Il y a moyen que vous soyez en kiff. Ouais, ouais, sur NES, je me rappelle plus du nom, t'as un jeu, c'est Advent Sword. Il est pas dégueu. Visuellement, bon, ça peut aller. Mais non, c'est vraiment, c'est très intéressant. Très très intéressant comme jeu. Ça fait un petit moment pour préparer certains de mes cours, je me suis amusé à prendre des jeux et essayer de trouver un petit peu la genèse, si elle existe. Un petit peu de savoir où est-ce qu'on est allé s'inspirer, etc. Et pourquoi et machin, enfin bref. J'ai pas le... Je l'ai pas, ça c'est triste. Tristesse. Nintendo Wars, je sais. Je sais pas. Non, pas du tout. Je crois que moi j'avais un nom pseudo japonais. Yes, j'ai bientôt fini le niveau. Si je fais pas de la merde, évidemment. Mais vous me connaissez. Ce serait dommage que j'en fasse pas quand même. Ah, du coup, j'ai pas été assez rapide. Ça, c'est cool. Voilà, j'ai fait de la merde. Et toi, à quoi tu joues? Je suis Jean-Claude Van Damme. Je suis un mage.
Ça marche, Tango, ce soir. Yes. Je suis full vie, oui. Tout ce que je déteste, quoi. Tout ce que je déteste. Oh oui. Ok. Oh oui. Oh oui, plus plus. Et une foule en délire. Lui lançait des bigorneaux. Tu sais. Tu sais, maintenant, le but, c'est qu'il sache. You're pretty good. Ouais, je suis pas mal, pas mal. Il pleut des bigorneaux. Part de salé là. Oh, trop sympa. Apparemment, elle va ramener 1000 trucs. Je vous montrerai après ce qu'elle va ramener. Vanessa. Mon pote de ouf. Franchement, gros level. Si elle ramène 10 000 trucs, gros level. Alors, ah, souterrain de Selkis. Et ne pas confondre avec les souterrains de Sirkis. Qui sont quand même beaucoup plus. Dangereux, honnêtement. Je préfère être dans les souterrains de Selkis que dans les souterrains de Sirkis. Méditez ça, les mecs. Par contre, Sirkis, si tu regardes mon stream, évidemment. Qu'est-ce que tu fous là ? Craqué ou quoi ? Oh, petit café par-dessus, c'est parfait. On fait quoi ce soir ? J'ai besoin de vous là. Franchement, je suis perplexe. Je suis partagé quoi. J'ai envie de finir Exhumed. Exhumed. Mais en même temps, putain, commencer Phantasy Star Online 2. Mais en même temps, si je commence Phantasy Star Online 2, je risque de perdre mon âme. À tout jamais. En même temps, j'ai décidé d'essayer d'autres trucs. Je sais pas, putain, je suis. Ah, j'en peux plus! J'en peux plus, mais c'est l'occasion, on est tous confinés, c'est l'occasion de se faire des games multi où on tape des barres. Oh! Oh, j'ai pris des dégâts gratuits. J'ai pris des dégâts gratuits, les mecs. C'est le boss. Mon avis, on est sur du boss. Genre 7 days, putain, mais oui! T'as tellement raison, quoi. Boss, ça y ressemble. La porte elle est chelée. Chelée, chelée! Ah putain, je vais la faire à chaque fois. Je suis désolé. Il y a plus. Non, mais tout. Ça y est, c'est passé, c'est passé. Je peux le péter, ça, c'est pas clair. Oh! Ah, c'est là où il faut que je sois malin. Alors, si je suis malin, je booste évidemment
cette arme là. Et désolé, hein, j'ai des spasmes. Ouais. Il pleut, j'ai pas vu le dehors. J'en ai marre. Plus les mecs, putain, laisse-moi sortir. J'ai pas l'habitude, moi. Oh. Ils sont tous contre moi, hein? Ils doivent tous mourir. Tous. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh shit! Oh shit! Oh non, il m'a touché ce Khmoum. Mais non, mais c'était de chercheuse plus plus! C'est un truc de ouf! Il est Keblo! Il est Keblo! Stakine Pata! Stakine Pata! Oh, dis-moi que t'es en train de crever, Khmoum! Oh, je perds de la vie! Ah là, c'est mieux! Mais t'es invincible ou quoi? C'est invincible, man! Oh non, je suis Keblo! Oh, je suis Keblo! Fuis! 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 Oh non, mais le truc, il a tête chercheuse là, ça va pas du tout! Oui! Oui! Oh. Fuis, putain, fuis! Oh non! Non, non, j'ai pas fini! Non, non, viens voir cette musique, c'est pas fini, putain! Bouge! Là, je me fais toucher, je suis mort! Commencez pas à m'enculer la game, là! J'ai plus de munitions de rien, sans déconner, quoi! Oh, c'est chaud de ouf! Ça, je prends ça. Je remets. Alors, attends. Il en reste ou pas? Je pars du principe qu'il n'y en a plus. Oh! On est mal! Oh, c'était chaud, non? Là, la porte, elle est chelle. Non! J'en ai fait une mieux! Mais pas. J'en ai fait mieux que celle-là de Chelé. Chelé. Moi, t'aurais dû mettre la vraie. Sceptre de Kilmat ouvre les barrières des champs de force. Rappelez-vous, il y a plein de niveaux où il y a ça. Oh, mais on a fini le jeu en vrai. Faisons une quand il n'y a pas de musique. Mais pourquoi je ferais ça? À quel moment je me serais dit, tiens, je vais faire un taunt tout pourri? Faut bien la foutre. Votre persévérance redonne peu à peu vie à mon corps mifié. Si vous parvenez à vaincre les forces du mal, vos efforts héroïques seront récompensés par les dieux. Escaladez le plus haut monde de la vallée, vous y trouverez. J'ai pas compris. Faut que je fasse quoi? C'est pas clair. Alors je sais où c'est qu'il y a moyen de récupérer. Enfin, non, j'en sais rien en fait.
N'écoutez pas. Ne les écoutez pas, car je suis malheureux. Bah oui. Ah putain, faut que j'arrête, j'entends de péter un câble. Mon cerveau, il a fondu, les mecs. Je m'appelle Idemago. Les gens disent de moi que je suis très hideux. Je m'appelle Idemane. Ne les écoutez pas, car je suis malheureux. Je m'appelle Idemane. Je m'appelle Idemane. Incroyable! Incroyable! Et après ça, on n'est toujours pas célèbre, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Faut sucer qui là? Faut... Non mais allez, c'est bon. Allez, à Jimmy. Hop. Là en vrai, j'aurais peut-être dû retourner dans des niveaux nuls avant de faire le plein. Mais bon. T'as mis tout ton RSA, mais ouais, mais. Je sais en plus, le pire c'est que c'est vrai. Ça m'ennuie. Ça m'ennuie tellement. Non, mais je rigole. C'est surfait. C'est surfait, la célébrité, c'est surfait, c'est de la merde. Un truc qui me plaît, coconard. C'est pas pour moi. C'est pas là. C'est pas là. Je vais quand même essayer, mais je pense que c'est pas là. Oh, ce qu'il m'a mis, lui. Lui, même pas. Tu le vois à peu près quand les gens t'aiment ou pas. Voilà. En fonction de la façon dont ils réagissent. Ok, laisse tomber. Zouk, zouk. Mais non. Ah bah si, c'est bon. Si, il y a bien un passage vert ici. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Parce qu'il y en a un autre dans un autre niveau, mais voilà. Là, je peux me barrer directement. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Ah non, pause. Fume d'abord les bestiaux. Ça me semble évident pour. Donc, alors, tu as un sage-mé? Quel est-il? Ah merde. Allez, ça... Ah, mais il pleut. Il pleut. On peut le tenter. On peut le tenter. Attendez, bougez pas. Je reviens, bougez pas, bougez pas. Allez, zou. C'est bon, c'est gagné, même. Ah. Ouais. Ah, c'est magique. Ah putain, une toile d'araignée. Ah, j'ai peur des araignées. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je suis un bonhomme. Je suis un bonhomme qui sera fier. Esbré. Alors. Bref. J'y vais, hein, je regarde juste. Ah non, je vais plus enculer des munitions qu'autre chose. Ah non, si, j'ai bien fait. J'ai le souvenir. Souvenir impérissable. Là du coup je vais prendre ouais le lance-flamme. Du coup on a encore plus de munitions et on peut se casser et changer de niveau et une foule en délire lui lancer les bigorneaux, sachant que j'ai déjà fini une map en speedrun strat, donc j'aurais pas besoin de la refaire pour ensuite aller vers la fin. Champ de magma. Quelle heure il est? 16h15, on a 45 minutes pour finir le jeu. C'est quasiment impossible. On peut essayer. On peut essayer.
de la vie. Que de la vie. Attendez. Ça peut être important, qu'est-ce qui se passe? Oh, et Sam qui lui a fait des bisous. Il est adorable, ça. Il a pas glissé. Oh non! Mais c'est une plaie, ces bestioles! C'est un truc de ouf! Oh, puis je l'ai ramassé, mais je suis trop con. Ma vie, elle est claquée au sol, quoi. J'en peux plus de moi. J'irai pas de suite. On va enchaîner. Après, ça va, franchement, les niveaux sont assez jolis. Hein. En vrai, quand on prend le temps de regarder, les niveaux sont assez sympathiques. Qu'est-ce que c'est que ça? Flippé, ça. Anneau de Ré. Oh! Le Uzi, c'est le Uzi de Lara Croft. Oh, c'est vénère, en plus tu peux lancer 40 000. Oh, mais je suis complètement claqué, ça. Et ça rebondit de partout. Regarde-moi ça, quoi. Oh, le merdier, mon gars. Flipper. Pitbull de Flipper. C'est comme une pitbull de Flipper. Qui roule. Comme une pitbull de Flipper. Est-ce qu'il y a un truc là-bas? Une pitbull Flipper. Ouais, c'est cool. On ça. Oh, je suis trop con. Oh mon dieu, regardez-moi ça, quoi. Yo Mazou, comment va? How are you? Bien ou bien? Ah, du coup, je peux aller ici. Ok, tout s'explique. Oh, c'est quoi? Je vais utiliser l'arme. Cette arme-là? Pas l'air très puissant, mais par contre, bon, ça défonce tout. Ça défonce tout et à tout jamais. Donc forcément. Oh, puis en plus, ça, tu sais, ça sautille un peu là. Ça fait un petit arc. Du coup, j'ai moyen d'arnaquer le jeu. Et moi, j'aime bien arnaquer les jeux. De là, je fais quoi? Oh non. Oh, si j'y vais juste pour récupérer une pièce de je ne sais quoi, ça va peut-être un petit peu m'énerver. Ok, c'est l'écran. Mais c'est juste l'écran, c'est la dalle. J'ai récupéré la dalle du PC, quoi. Je rigole, hein. C'est pas drôle. Crois-moi, c'est pas drôle. Oh! Oh le con, oh, je la fonde même pas lui. Oh je me casse. Je me tire d'ici, je crie même pas cuit cuit quoi. Je sais pas comment ouvrir cette merde. Ça va nickel Mazou, ouais, ouais ouais nickel. Enfin, il fait un temps de merde, j'ai pas pu faire mon sport mais... J'ai fait ce que j'ai pu. Ah! Yes! J'ai tué un mec au fond, je pense. J'ai pas fait exprès, mais j'ai tué un mec au fond. Oh, mais cette arme-là, elle est cheatée de ouf! On va la garder. Yes. Ok. Ok.
bruit, mon gars. Ça fait flipper. J'ai l'impression que ça, c'est mon PC qui est mort, tu sais. Mauvaise ambiance. Ok. Ok. Oh oui. Et là, c'était absolument pas ce que je vais faire. Mais je le fais quand même. Oh, j'ai perdu de la vie, s'il te plaît. Mais quel jeu à la con! Sans déconner, quoi! Quelle idée de te faire passer dans un petit chemin comme ça, quand le mec, c'est Homer Simpson, quoi. Exactement. Oh. Ah, oh, putain, mais non, mais non. Et toi aussi, enchaîne les idées de merde. Ça sent pas la noisette. Mais non, ça n'a jamais senti quoi que ce soit, de toute façon. Petit chemin qui sent là, le petit chemin sur la noisette, lui d'accord, pas de problème. Ça c'est beau. Oh oui, c'est beau. Reflet d'acide. Comment ça, reflet d'acide? Pourquoi j'ai pas la ref? Ça c'est cadeau. Saga audio MP3, ah, comme Nalbuck. Petit chemin, c'est dans la saga Reflet d'acide. Mais non, le petit chemin qui sort la noisette, c'est une chanson. Une vieille chanson à la con. On la voit, on l'apprend, etc. Ces petits chemins qui sentent la noisette. Ces petits chemins. C'est la nickelité, tu vois. Bref. On va pas vous faire toute la chanson, si. Si. On faisait un cover. Un cover. What about doing the cover? Ouh. T'es repris dans le fait l'acide, yes. Ok. Oh, vous avez le droit, hein. Oh, tu fais bien finalement. Je trouve que c'est le passage le plus dur, le passage avec la lave. The floor is lava, les mecs, n'oubliez jamais. Des dialogues en alexandrin. Ah, oh, trop cool! Du coup, ça m'intéresse du coup. Et du coup, il y a un vrai travail d'écriture et tout, ça je kiffe. Tu veux un lien? Je veux bien que tu le mettes sur Discord. Si t'as le Discord, je ne sais plus. Sinon, là, je vais oublier. Enfin, du coup, ça va défiler dans le chat. Et forcément, ça va être dans les oublis. Oh là là. Ok, alors par contre je vais prendre. Yes, merci Chiro. C'est bien que je suis un petit peu entre deux, yes. Là c'est pas mal. Ce passage il est horrible en vrai. Ce passage il est honteux même. Oh!
Oh, il y avait plus le... Je me suis fait niquer. Putain. Oh, ça rend ouf. Mais non. Abonnez-vous, faites des dons de 1000 euros. Minimum. En dessous, c'est terriblement mesquin, rendez-vous compte. Où allait mon pognon? Ah oui. Répondez-moi. Merci, Eligas. Répondez-moi. Mon loyer, payez pas mes loyers. On payait pas mes loyers. Où allait mon argent? Ça me détend, ça. Ce mec, il me détend, je sais pas pourquoi. Oh, ça rebondit de partout, c'est génial. En plus, j'ai l'impression que ça ne me fait pas de dégâts. Du coup, ça, c'est plutôt une bonne chose. Allez, c'est parti. Oh, le con, ce qu'il m'a mis! Respecte-moi! Enfin, fais comme... Oh non, mais quel jeu, la con. Putain, le système... Les sauts dans ce jeu... Non, parce que vous avez vu, le dénivelé, là, il est extrêmement faible. La pente, elle est merdique, en vrai. Bah si, ça m'a quand même mis dedans, quoi. J'ai pas pu sauter, parce qu'il a considéré que je touchais plus le sol. J'étais en... voilà. Une espèce de lévitation. Mon personnage est extrêmement léger. On y pense. Après, la faute, c'est déjà de se dépenser. Au moment où c'est dit, tiens, si j'allais penser. Pensons, mes amis. Ok. Du coup, je flippe un peu maintenant de prendre les raccourcis. Parce que ça n'a pas l'air d'être tout le temps bien rose, quoi. Là, il y avait des mines qui m'attendaient. J'ai rien contre les mines, hein, mais bon. Ils sont pour ma gueule, je vous avoue, c'est pas... Je suis pas fan. Alors... Sors d'où, toi? Foiré, va. Chat. Allez, on y croit. Ah oui, c'est parce qu'il y a, deux raccourcis. J'ai pas pris le bon en fait, fallait être encore plus rapide. Oh, qu'est-ce que c'est que cette merde? Non, putain, mais quel jeu à la con! Je me casse. C'est tellement pas clair. Les enculés, si je te dis. Waouh, mais en fait, cette arme, elle est bien. Mais non. Oh, je vais mourir, c'est sûr. M-
mais quel jeu de merde! Mais putain, mais saute la con de ta race! Ça fait du bien. Je comprends maintenant pourquoi les gens qui rêvent. Ça fait beaucoup de bien. Incroyable, hein. J'ai moins l'impression que je vais faire un AVC là, tu vois. Quel jeu. Tu vas la rejoindre. Mais c'est normal, le temps que ça te donne un rôle, faut attendre genre 5 minutes quoi. Oh non. Non mais c'est vraiment une horreur le fait de pas pouvoir sauter s'il y a un tout petit dénivelé ou là. C'était même pas un dénivelé là, c'était une histoire de truc encore plus nul quoi. Oh oui. Bah oui évidemment Ska, c'est une foule en délire, lancer des bigorneaux, enfin voyons. C'est incroyable ça aussi. Ouais normalement c'est juste tu vois. Un rôle. Je vais te dire de suite si t'es arrivé. Ouais Shiro a rejoint deux fois. Très bien. T'as juste à attendre que le truc te file un rôle. Ça dure 5-10 minutes, ça dépend. Alors, champ de magma, sommet d'Horus. J'espère qu'il y a un boss. Un vrai, pas. Quoique non. Non, non, j'ai rien dit. Ferme-la le double. Ferme-la à tout jamais le double. Ellie a doublé. Chute de fucu. J'aime pas trop ce qui se passe. Yo Toto, bien. Bonjour, bonsoir. Ça va depuis Jet Cocoon? Très bien. Très bien, écoute, on est sur Exude. Gros jeu. Très gros jeu. Mais vraiment, en plus. Exhumed. Power Slave, si tu veux l'appeler, évidemment. Son petit sobriquet américain. Oh non, quel jeu de merde. Quel jeu de merde. Ah, je déconne. Très gros jeu. Je maintiens mon très gros jeu. Putain, je voulais lui mettre un truc sur 20, je sais plus quoi. Je sais plus ce que je voulais lui mettre sur 20. Wouah, en fait, je pourrais pas y aller là. Mais non. Oh, je fais de la merde. Ouais, de toute façon, c'est du FPS. C'est du FPS de l'époque Doom et compagnie, donc oui. Ah ah. Fuck it, bitch. B-I-H, it's in the game. It's in the game. It's in the game. Alors j'allais dire boss, puis je suis plus sûr. C'est de la merde, c'est pas grave. Je peux essayer ça, je suis assez prêt quoi. Tu le mets dans général, dans blabla. Non, je veux dire blabla musique, mais non. Il y a tout qui pète dans ce jeu incroyable. Yo Witch, bien. Bonjour, bonsoir. Non, je crois pas que ce soit le moteur de Duke 3D. Je suis pas sûr du tout. Vu que c'est de mémoire, c'est. Attends. C'est. Comment il s'appelle ces cons là, ouais. Lobotomy machin et. BMG Interactive. Mais de mémoire, il me semble que non. Non, non. Le fort, c'est juste que ce soit un moteur propriétaire. Le jeu à la base est sorti sur Saturn. Ça arrive. Quelque chose qui arrive. Ah, j'ai pas de. D'accord. Oh, je t'ai méfu! Oh.
Je t'ai méfu. Attends, je vais remettre là-dessus. Parce que s'il y a boss, il y a boss. Ah putain, faut que je refasse tout. Non, non, j'ai juste à refaire ça. Yes. Est-ce que ça passe? Oui. Holy fucking shit! Ah non. Attends, soyons malins. Mais non, je l'ai dans le cul, mais de ouf! Ok. Mais putain, je suis trop con, c'est un truc de ouf! Salut Sam, bien. Bonjour, bonsoir. Hey, where are you? Tu crois que c'est le build engine? Putain. Bon, ok, autant pour moi. Autant for me, quoi. Voilà. Ensuite. Putain. Là, c'est pour ton petit cul, ça. Je te l'ai mis en miosis. Qu'il n'était qu'en midrial. J'aime pas ça du tout. De Minecraft. Quoi Minecraft? Comment ça Minecraft? Ouh. Le bordel que ça fout! Oh le merdier que ça fout les mecs! Ouais après c'est texture à l'ancienne donc ça m'étonne pas que Minecraft ait repris un peu le délire hein. Le délire quoi, un peu JPEG, un peu machin. Ah mais ils sont combien? C'est quoi ce plan, les bronzés font du ski là? J'aime pas ça. Le truc c'est que ces boules là, si elles me touchent, ça me fait aussi mal que les boules de mur. Tiens, oh je vais le faire au flingot. Juste pour me détendre un peu la nouille. Depuis quand que tu as des guns sur Minecraft? Tu dois avoir des mods en plus sur Minecraft pour avoir des guns. Je serais même pas étonné, je serais même étonné qu'il n'y en ait pas. Du coup, je vais prendre ça, je pense. Oh, c'est de la merde. Je le sens d'ici que c'est de la merde. Faire au flingot. Oh, je l'ai eu au flingot! Et j'ai perdu de la vie comme un gros momie, quoi. Je suis trop con. Oh, deux fois je prends les trucs full munitions et je le mets pas comme il faut.
Vanilla, ouais. Après, j'ai quasiment jamais joué à Minecraft. Vite fait, quoi, mais c'est pas mon délire du tout. Je reconnais qu'il y a des bonnes choses. Il y a des trucs qui m'intéressent. Ah, mais non, mais d'accord, mais ça remet full munitions sur tout, en fait, d'accord. Peu importe comment je le prends. Ok, oh, it's okay. That's okay, man. Oh le bâtard. C'est les pires, hein. C'est les pires raclures, les moustiques, en vrai. Putain, les moustiques, c'est comment, c'est les huissiers, quoi. C'est les putains d'huissiers, quoi. T'as un ami huissier, hein. Choisis tes amis. Excuse-moi. La plume. Je fais travailler, ouais. Fais-les travailler. Patron, ouais. Et bisous, Sam. En tout cas, merci infiniment d'être passé. Et à très bientôt. Et sois sage, hein, évidemment, Sam. Ah ouais, je peux voler, en vrai. Oh, mais c'est claqué de ouf. Tu vas bosser, bon courage. Bon courage, Sam. Merci infiniment d'être passé, en tout cas. Et je te dis, évidemment, à ce soir, si t'es chaud. Mais ce soir, je sais pas du tout ce que je vais faire. Il est possible que je fasse rien, du coup, si vraiment, je sais pas quoi faire. Les dieux sont satisfaits de votre réussite, mais votre quête de la paix n'est pas terminée. Vous devez retrouver mon corps et le ramener au tombeau. Mais attention, la reine... Holy shit ! ...est furieuse contre vous. Un gâteau moult pain. Oh, elle nous a mis bien de ouf, Vanessa, elle abuse. Ce qu'elle nous a ramené. Elle nous a ramené un coffre de viennoiserie, de pain, de... D'où ? Cet abus, quoi. Cet abus. Alors, est-ce qu'on peut finir le jeu en 20 minutes ? J'en sais rien. En tout cas, on peut avancer, ça, c'est sûr. Après, il faudra faire Metal Gear Solid, mission spéciale. Ça va être autre chose, ça, les mecs. All is okay. Et c'est ce que j'essaie de me dire. All is okay. De la levure boulangère nulle part. Elle demande à un boulanger généralement et voilà, sera encore plus en ce moment. Enfin, moi je sais que dans mon village, moi quand j'avais besoin de levure boulangère, je leur demandais, voilà, il n'y avait pas de soucis, ils te le filent. Enfin, s'ils te connaissent pas trop, ils te le font payer, j'imagine. Mais moi je me dis justement, en ces périodes-là, c'est possible que ce soit le fil encore plus. Hein. Et voilà, c'est la galère. Oh, juste à faire ça pour esquiver. Pourquoi il tourne autour sur Moom? Mais va te rouler! Mais quel jeu à la con! Et qui me tourne autour, quoi, à moi ça, quoi. Ouais, commencer un level 1, mais j'ai vu tous au contraire. Bon, après, ça dépend ce que t'as vu, enfin, ce que tu crois avoir vu aussi. Oh, je vais défoncer l'oiseau. Comme l'oiseau, ça se fait défoncer le cul un oiseau. Donc là, j'ai tous les objets du jeu, hein, où je vole, quoi. Non, je peux pas y aller comme ça. Dommage que je puisse pas faire mieux que l'éviter. L'éviter, c'est bien. Super. Super, gros jeu, ça. J'aurais aimé me faire fister par un jeu PS1. Ça fait partie de mon top 3 de choses à faire avant de mourir, quoi. Sauf qu'en fait, pas du tout. Ah bah ça dépend, après, si tu veux le faire lever plusieurs jours et compagnie, pas te maturer, pas te pas maturer. Voilà. Les choix sont multiples, crois-moi. Et autant tu as vu tout et son contraire, et en même temps, c'est tout à fait normal. Ah mais oui, c'est vrai que je peux rester en lévitation. Donc à la limite, il faut que je trouve l'endroit le plus élevé et que je reste en lévitation pour arriver là ensuite. Qu'est-ce qui pourrait me permettre de léviter? C'était quoi ce bruit de ouf? Et parce que là, je peux voler à vie en vrai. En vrai, je vole à vie.
Et là c'est trop. Et là c'est trop, c'était sûr. En fait là faut que je fasse ça. Hop, et là je vole sa mère. Voilà. Je peux pas me. Non. Ah j'aurais pu aller là. Mais bon, c'était pas spécialement clair non plus. Donc... On la quitte, on la quitte. Je le savais. Je sentais. Je sentais la quenelle, tu vois. On a le droit de dire la de quenelle? On a le droit de le dire ça ou pas? C'est devenu complètement intéressant. Comment ils font les Lyonnais, c'est con. Oh, c'est encore moins drôle, quoi. Oh, le con! J'aime le faire juste pour. C'est pour me détendre. C'est pour moi ça, c'est perso. Où il y a. Putain, je sais pas ce que c'est, on dirait un objet spécial. Une arme, je pense. J'imagine qu'il faut passer par là pour la voir. Ah, bah, allez. Oh! Il a tout capté! J'ai une clé ou pas? Ça, c'est une question intéressante. Non, j'ai The Bilaguel. J'ai The Bee, la guêpe. Je sais pas ce que je vais faire à manger ce soir. Moi je pense à ça maintenant là. Je suis en train d'affronter une bestiole. Je sais pas ce que je vais faire à manger ce soir. Tiens. Ça me ressemble bien quelque part. En même temps. Y'a quoi, rien. Ah, attends, j'ai rien dit. Tu m'as raté, Khmoum. Alors, par contre. Qui c'est qui tire depuis tout à l'heure, là? Oh, le jeu, il est en PLS cause de... Oh! Gros, garde tes. Ça va pas ou quoi? Voilà, est-ce que de là, est-ce que je peux faire des choses incroyables ou pas du tout? Rien n'est moins sûr. J'adore. Certes, cette porte est chelée, chelée. Cerveau, il a fondu, fondu. Péter lui, non? Sors-le, putain, s'il te plaît! S'il te plaît! Ouais, je peux en balancer une, deux, trois, parce que ça sert à rien. Omelette et ratatouille, c'est pas mal. Il est mort ou pas? Pas clair. Ils sont
plus ça, mais la mitrailleuse, limite, c'est la meilleure arme du jeu, quoi. Par contre, je suis Keblo de ouf. Alors, si je suis pas Keblo de ouf, quelle est ma thune, quoi? Répondez-moi! Payez mon loyer, payez pas mon loyer. D'ailleurs, pourquoi vous payez mon loyer? C'est pas clair, pourquoi on lui paye son loyer à ce mec d'ailleurs? C'est rigolo de prendre des bouts de phrases, mais voilà, du coup on les comprend pas. Enfin bon, en tout cas, je les ai pas compris. Donc, en fait, grosso modo, il y a un mec qui lui paye son loyer. C'est fou, ça me TP ça. À quel moment ça va te TP, Mongol, va? C'est one shot, c'est tout. J'en peux plus de moi. J'en peux plus de moi. Yo, Akishomos, comment va? Bonjour, bonsoir. En vrai, je crois que je m'aime beaucoup. Je pense qu'il y a une certaine forme d'appréciation, mine de rien. Il y a voilà, une forme d'appréciation entre moi et le jeu. Et... On se marre bien de ouf. Du coup, je peux pas y aller maintenant. Là, je suis assez haut, non? Qu'est-ce qui fait ça? Putain d'oiseau! Ah voilà, du coup, je peux pas aller là. Défoncer les putains d'oiseaux, un grand classique. Et ensuite aller là. Merde. Merde. Non. Oui. Oui. Tu suis. Fais comme l'oiseau, mon gars. Ah, ils sont pas invisibles, c'est juste que tu les vois mal. Mais y a pas que nous, mais moi aussi. On les voit tous mal. Y'a quoi ici? Est-ce que ce jeu peut être clair? Ouais, ok, c'est clair. Il s'est encore oublié. Il a gardé son corps après une soirée arrosée. Oui, non, mais c'est ça. Ramsès 2, c'est Ramsès. Et oui. Oh! Ce qu'il m'a mis, lui! Attends, je vais me mettre là, je vais me les faire. Je vais me les faire. Les foutriquets. Allez, sors. Tu meurs d'envie de te faire ouvrir le fion par le double. Ton ami, le double, ton camarade. Merde. Je t'ai bloqué contre... de la merde. Voilà. Alors, nous disions donc. Ici, il y a... Ah, il n'y a pas de trou. D'accord. Voilà, tout simplement. Tout simplement. S'il est désolé pour hier soir. Ça c'est... non. Cité du trio quand même, c'est chaud. Alors je ne juge pas, hein. Je suis trop con, j'en peux plus de moi. Sans déconner. Pourquoi je fais ça? Mais pourquoi je fais ça, les mecs? Posez-moi la question. Oui. Posez-moi la question, pourquoi je fais ça?
Il a reculé, ouais. C'est bon, ça. Oh. Oh, c'est nul. Oh, c'est nul. Oh là là, j'étais saucé et puis d'un coup, j'ai vu ça. Voilà. Waouh. Ça a mis un temps de chargement de ouf. Et ça fait... C'est de la merde, sans déconner, quoi. Bon, les petits potes. Je vous dis à ce soir 21h pour... Je sais pas. J'ai bien envie de continuer le marathon. En même temps, est-ce que ça vaut pas le coup d'essayer de faire d'autres trucs pour rigoler? Je ne sais pas du tout. Je pense qu'on est parti pour du marathon, mais... Rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr. En tout cas, je vous remercie infiniment pour cet après-midi. C'était très cool, comme d'habitude. Attendez, on va regarder un petit peu ce qui se passe à côté. Hein. C'est important. C'est important. Est-ce qu'il y a des gens qui font des trucs cool? Est-ce que vous, il y a des gens qui font des trucs cool? Mon pote le gars qui fait du God of War, c'est pas rétro, mais bon, en même temps. Parce qu'on est obligé toujours. Voilà. Qui c'est qu'on va l'embêter? Qu'est-ce que vous voulez aller voir? Cette remake, non, j'ai pas envie de me spoil, surtout que je n'y jouerai que dans très longtemps, donc ce serait dommage. Allez, à Chonk, c'est le Tomb Raider, c'est sympa, c'est très sympa. Allez, on va remettre des Chonk. On va emmerder Chonk, c'est important. Et moi, je vous dis à ce soir, merci infiniment pour cet après-midi, c'était très cool. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, c'est important. Sayonara.